Bonjour à tous, on va commencer le briefing. On vous rappelle à tous que c'est une course donc un petit peu exceptionnelle. Si vous êtes là, c'est que vous aviez le dossier pour pouvoir faire ce type de course. Vous allez traverser vraiment des territoires très sauvages. Ceux qui sont plus habitués au trail, oubliez votre référentiel trail. Là, vous êtes sur une course aventure. Vous êtes maître de votre itinéraire, maître de votre ravitaillement, maître de votre gestion de sommeil. Pour nous, le maître mot, c'est la sécurité. C'est parti, les amis! Allez, c'est parti, vous pouvez les applaudir bien fort! Allez, les gars, tous ensemble, on est malades, les gars! Allez, ciao, les gars! Mais Jérôme, t'es parti comme un fou déjà là? Ah, bah, c'est une belle aventure partagée. Enfin, l'idée, c'est vraiment de passer des bons moments, de faire de créer des bons souvenirs qu'on se remémorera dans 10 ans. Pas besoin de vivre mon aventure, briser le quotidien, être seul avec soi-même et oublier tout ce qu'il y a avant la course pour se concentrer sur le moment présent et profiter de tout. Et où vous allez, le grillou. Le soleil, c'est bien ça. On est la route là. On arrive au garde, ouais. Et bonjour. Salut les cloches. On est plus une chaleur, on se balade. Allez madame Raymond. Échelle de douleur, comment tu te sens? Moi ça va bien. Normal. Ouais, j'arrive pas à manger pour le départ. J'arrive pas à assimiler, ouais. C'est super le plateau. Ouais, c'est classe. Ouais, c'est magnifique. Le Cantal un peu? Ouais, je pense que ça vaut quand même le fromage suisse. Ouais? Ah ouais. Pour qu'un Suisse dise ça, je peux te dire que vous vous défendez vraiment bien. Cantal vieux à partir du 100e kilomètre, mon pauvre là, mais tu... Le Cantal vieux, on a dans les chaussettes. Hein. De nuit, 7-8 heures. On est concentré sur les moindres petites défaillances qu'on pourrait avoir. Et si ça se passe bien, si l'alimentation passe, pourquoi pas aller chercher peut-être un regain de forme au petit matin quoi. Donc on n'attend pas qu'il soit pas bien en fait. On longe avant qu'il soit dans le dur. Une fois qu'il est dans le dur, c'est trop tard. Ça va être trop difficile pour moi et trop difficile pour lui. Si tu me poses la question, est-ce que tu prends du plaisir en ce moment? Je peux t'avouer que c'est un peu dur. Ça va passer, hein, c'est sûr. Hein. Mais quand t'es dans le creux de la vague,
c'est pas génial. Il y a deux semaines et demie, ça fait combien de bornes? 165. Ouais, c'est un ultra en Slovénie. Donc il est quasiment à mon niveau là, c'est bon, il m'attend pas trop. Ouais. 5 heures du mat. Je dormirai bien 15 minutes, je crois, quand même. Ouais. Oh, puis dire que dans 8 jours, je refais 112. Dans 8 jours, tu refais 112. On est cool. Hey. T'as comment ils m'ont bien. Oh là là, on a le soleil. Je fais pas bien les choses. Si c'est pas beau. Puis les coquilles. Extraordinaire là. Bisous à la famille. Bisous aux copains. À tous ceux qui ont suivi un petit peu, de près ou de loin, ma petite aventure ici. C'est sympa de votre part. Je réaliserai peut-être. Je passe sur le podium. Allez, on va t'amener vite en ville. Ça t'arrive pas? T'as encore des forces? Allez, on l'amène en ville. On court. L'organisation, c'était le top. Et surtout, c'est vrai que par rapport aux autres courses que j'ai fait, on voyait qu'il y avait, vraiment des professionnels. Vous voyez que c'était des gens qui maîtrisaient le domaine. C'est aussi rassurant comme ça sur des efforts de ce type-là. C'est la grande classe, quoi. C'est ça. Et vous? Alors vous préparez pour quoi là? Alors moi, j'ai ma petite notoriété. Moi. Si je pouvais reprendre le boulot tranquillement lundi. Moi je vais en Écosse dans 15 jours faire le Seltman. C'est un extrême triathlon, tu sais, un peu comme le Northman. Non, c'est vrai, tu vas faire ça. Ouais. J'ai déjà fait le Northman. Et t'oses traiter les autres de psychopathes. Ouais, c'est ça. Ah, ce qui serait cool, c'est d'être au Sancy ou sur les crêtes qui suivent derrière.
Là, je pense que ça serait le plus bel endroit pour profiter du soleil levant. Oh, magnifique décor. Un décor de carte postale. Ah ouais, oh, sublime. Je pense qu'il faut pas rester. Il faut pas rester trop longtemps. Ça, c'est bon. Et là, maintenant, vous courez en côte. C'est les côtes, ça? Ah ouais. D'accord, vas-y. Tu vois, quand tu nous fais sortir de notre spirale négative, eh ben, je vais monter le sorcier en courant.